Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce et dans cette vidéo astuce, on va découvrir ensemble comment jouer à Cyberpunk en VR grâce à un mode VR qui nous vient du logiciel VorpX. Donc VorpX, c'est à la base une marque d'un logiciel qui permet de transformer n'importe quel jeu en VR. Ça fonctionne plutôt ou pas trop bien en fonction des jeux, donc moi j'ai pas testé, le logiciel est payant, il a coûté peut-être 20 ou 30 euros ou 40 euros. Et pour fêter les 10 ans, ils offrent gratuitement un mode qui permet de jouer à Cyberpunk en VR. Donc on va voir ensemble les étapes pour installer correctement le mode. Et c'est très facile. Donc j'ai testé ce mode, mais j'attends personnellement le mode de Lucky Rise qui permettra aussi de jouer à Cyberpunk 2077 et je pense de manière plus fluide. Donc pour commencer, vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo pour accéder à cette page pour télécharger le mode. Donc vous cliquez juste ici pour le télécharger. Vous allez avoir un fichier zip. Donc le fichier zip, on va le mettre ici. Hop, voilà. Vous le décompressez. Extraire tout. Voilà. Une fois que c'est fait, vous vous retrouvez avec ça. Vous cliquez dessus. Et là, on va procéder à l'installation. Vous faites information complémentaire, exécuter quand même. Et on va voir que l'installation est très facile. On fait exécuter. Ensuite, ça va tout simplement vous demander de chercher les fichiers racines du jeu. Donc, on va y aller ensemble. Donc, vous cherchez le fichier Cyberpunk. Moi, il est dans mon deuxième disque dur. Vous faites OK. Donc là, vous mettez Yes, tout simplement. Ensuite, ça vous demande Je comprends. Vous faites que vous acceptez les termes du contrat de licence. Vous faites Installer. Et là, le logiciel va s'installer. Enfin, le logiciel, le mode VR, pardon, va s'installer. Vous faites Terminer. Et ensuite, vous avez ce petit truc qui apparaît ici qui va vous permettre simplement, on va dire, de choisir la configuration pour le mode VR, donc Steam for native Steam VR. Par exemple, si vous avez un casque Valve Index, un casque non Oculus, vous allez opter plutôt pour Steam VR pour lancer le mode VR. Si c'est Oculus, vous allez plutôt cliquer ici et vous pouvez cliquer ici pour un autre casque. Donc si c'est un casque Oculus, vous mettez ça. Si c'est Valve Index, etc., HTC, vous mettez ça. Vous mettez sur OK. Ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer le jeu Cyberpunk et à vous connecter d'abord avec votre casque Oculus ou HTC ou peu importe. Et ensuite, vous pourrez profiter de la VR. On arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire si ça a marché pour toi et comment tu trouves ce mode. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, cliquez sur les perdus du numérique. Après, vous êtes abonné, bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist. Et cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest. Donc dans cette playlist, pour l'instant, vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites. Et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos dans la mesure du possible. A plus la team!